Aujourd'hui, si réellement il y a l'état de droit, mes chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo, on vient aujourd'hui de nous montrer. Dans mon niveau, le cas qui n'a pas parlé du peuple, il y a une bureaucratie. Mais il y a une bureaucratie politique. Bino, merci. Et Sengeli Koebi Sabaïmboka, vous avez une coalition. Et Sengeli Makoebele Koto, c'est un réserve. Et ça, une faute administrative. C'est le premier ministre qui doit s'en charger. Elle va commencer à sanctionner le ministre. La manière dont on a fait à Tunda, c'est inacceptable. Nous allons tirer toutes les conséquences politiques. Et nous sommes contre. Il est de notre. Mais tout vous discutez à moi la vidéo d'un guénie. Par observation, c'est le ministre de la Justice qui a fait la guerre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez encore à dire? C'est vous qui m'avez amené. Vous m'avez arrêté avec des fusils. Vous m'avez. C'est à vous de me dire. Moi, je croyais que j'ai tué quelqu'un. Donc, voilà la situation qui s'est passée aujourd'hui. En coulisses, évidemment, je vais faire rapport. Je vais faire rapport au SP. Pourquoi on a fait ça? Akamboa ba loi est athée. Akamboa ba proposition de loi est alité. Akamboa est à source. Ma cousine a vu son nom sur Bassi Baébia. Voilà. Soyez les camarades du parti. Dans sa le parquet, doit requérir la de l'Assemblée parce que c'est sa responsabilité, responsable de base. Mais ce qui s'est passé, parce que le ministre Tunda a défendu sa position de manière démocratique au niveau de la commission des lois, mais également au niveau du conseil de gouvernement, on nous apprend
qu'il a été interpellé. La police a retrouvé sa moto, bien armée, et on l'a pris pour un malfrat. Nous sommes allés au parquet, nous avons posé la question, et finalement, on a dit non, on l'a relâché. Il n'y a rien. Nous allons où finalement dans cette ville. C'est pourquoi nous, les pétards, nous avons fait notre déclaration à partir des événements qui se sont déroulés il y a 3 ou 4 jours devant l'Assemblée nationale, donc devant les parlements. On a interdit aux députés d'accéder à l'hémicycle. Vous savez qu'il y a une semaine et demie, un député national élu des droits de Mahagui dans l'Ituri est mort parce qu'il a été bousculé. On l'a amené à l'hôpital, il en est mort. Nous avons l'impression comme si on cherche à étouffer la démocratie. Nous avons l'impression comme si on veut ici instaurer petit à petit une dictature plus forte que celle que Mobutu a mis ici en République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. Nous disons nous, PPRD, parti avant-gardiste, le parti le mieux implanté dans les territoires nationaux. Le parti qui a plus d'élus au niveau national et au niveau provincial, nous disons non et nous allons résister contre cette dictature qui est en train de naître dans ce pays. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Quelle réaction vers la coalition? Nous avons déjà vu notre préoccupation. Nous avons ils sont alliés avec nous. Nous les répétons aujourd'hui avec force. Tiens micro, c'est bon. Il raconte que non, c'est pas bien d'aller en coalition avec nous. Nous sommes sûrs qu'il raconte n'importe quoi devant leurs militants. Même des contre-vérités. Parce que tout le monde connaît la vérité de ce qui s'est passé. Il raconte des contre-vérités. S'il ne veut plus la coalition, nous avons dit haut et fort que nous voulons qu'on aille directement vers les conséquences constitutionnelles. Ça signifie mettre en place la coalition où le FCC, qui a la majorité dans les chambres, doit, dans la cohabitation, j'ai dit quoi là, il faut aller tout droit vers la cohabitation et que le FCC gère la République. Que c'est le FCC qui sera responsable de ses actes devant le peuple. Nous sommes pour l'état des droits. Vous savez ce qui s'est passé ici. On a parlé du procès de 100 jours. C'est un ministre de la République, le vice-premier ministre Tunda, qui a instruit les parquets pour aller enquêter de ce qui se passe pour les dossiers de 100 jours. Ce n'est ni un magistrat, ni un président de la République, c'est le ministre Tunda qui a fait ça pour que l'état de droit règne dans ce pays. C'est ça notre condition. Merci. C'est le confinement de la coalition. Le confinement de la coalition. On avance. Sonia, on est à la banque. Jamie.
un ministre être interpellé par le parquet. Le parquet doit requérir l'avis de l'Assemblée parce que le ministre est responsable de sa responsabilité, responsable devant l'Assemblée. Mais ce qui s'est passé, parce que le ministre Tunda a défendu sa position de manière démocratique au niveau de la commission des lois, mais également au niveau du conseil de gouvernement, on nous apprend qu'il a été interpellé. La police a entouré sa maison, bien armée, et on l'a pris pour un malfrat. Nous sommes allés au parquet, nous avons posé la question, et finalement, on nous dit non, on l'a relâché, il n'y a rien. Nous allons où, finalement, dans ce pays? C'est pourquoi nous, les PPL, nous avons fait notre déclaration à partir des événements qui se sont déroulés il y a 3 ou 4 jours devant l'Assemblée nationale, donc devant le Parlement. On a interdit aux députés d'accéder à l'hémicycle. Vous savez qu'il y a, une semaine et demie, un député national élu de toi de Mahagui dans l'Ituri est mort parce qu'il a été bousculé. On l'a amené à l'hôpital, il en est mort. Nous avons l'impression comme si on cherche à étouffer la démocratie. Nous avons l'impression comme si on veut ici instaurer petit à petit une dictature plus forte que celle que Mobutu a mis ici en République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. Nous disons, nous, PPRD, parti avant-gardiste, le parti le mieux implanté dans les territoires nationaux, le parti qui a plus d'élus au niveau national et au niveau provincial, nous disons non et nous allons résister contre cette dictature qui est en train de naître dans ce pays. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Quelle réaction va vers la cohabitation? Nous avons déjà dit notre occupation. Nous avons nos amis qui sont alliés avec nous. Nous les répétons aujourd'hui avec force. Ils racontent que non, ce n'est pas bien d'aller en coalition avec nous. Nous sommes sûrs qu'ils racontent n'importe quoi devant leurs militants. Même des contre-vérités. Parce que tout le monde connaît la vérité de ce qui s'est passé. Ils racontent des contre-vérités. S'ils ne veulent plus la coalition, nous avons dit haut et fort que nous voulons qu'on aille directement vers les conséquences constitutionnelles. Ça signifie mettre en place la coalition où le FCC, qui a la majorité dans les chambres, doit, dans la cohabitation. J'ai dit quoi là? Il faut aller tout droit vers la cohabitation et que le FCC gère la République, que c'est le FCC qui sera responsable de ses actes devant le peuple. Vous êtes contre l'état des droits, prenez pas. Nous sommes pour l'état des droits. Vous savez ce qui s'est passé ici. On a parlé du procès de 100 jours. C'est un ministre de la République, le vice-premier ministre Tunda, qui a instruit les parquets pour aller enquêter de ce qui se passe pour les dossiers de 100 jours.